Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Guide en ligne de l'arménienne occidentale Quand la nouvelle route Stepanakert-Goris sera-t-elle lancée Détails fournis par Hayk Château historique de Vanna illuminé. Le secrétaire d'État américain répond à la déclaration de Baku sur la nomination de nouveau président du groupe de Minsk. L'abattage des arbres se poursuit à Bourak. Le message de Zelensky aux arméniennes Site Web -tour Grâce au arménien. L'issue positive de la conférence de Yalta a été

L'ouvrage d'Armenak ryan intitulé Guide orthographique, stylistique et orthographe de la langue arménienne occidentale a été publié en ligne. Le département arménien de la fondation the a le plaisir d'annoncer que l'ouvrage Guide orthographique et stylistique de l'Arménienne occidentale d'Armenak Yerian est désormais disponible sur la plateforme NAI dans un format numérique et ouvert. Ce guide complet et détaillé avec son approche et son format unique comble une locune qui existait depuis de nombreuses années dans le monde de l'Arménienne occidentale. A Déclaré le directeur du département Razmik Panosian. Ce manuel, fruit de travail de toute une vie du docteur Armena est un ouvrage d'une qualité et d'une ampleur unique qui clarifie la situation actuelle de l'Arménienne occidentale avec ses problèmes et ses défis et vise à servir de support à un enseignement fluide et uniforme de l'Arménienne occidentale ainsi qu'à mettre en lumière diverses questions controversées et corrections, comme le note l'auteur dans la préface. En raison de sa nature numérique, cette diligence peut évoluer dans le temps. Se réformer Intégrer de nouvelles questions restait toujours pertinente. Le manuel peut être utilisé partout, étudiants ou enseignants, écrivain ou rédacteur spécialiste ou lecteurs ordinaire cherchant à trouvant facilement les informations linguistiques ou grammaticales qu'il recherche Nous remercions sincèrement Loric, Sapundian, Zaturian, Harutsun, Kirkchian, Vrej, Armen, Artignan et Seru Jurichian pour leur travail de voix consciencieux Marina, Chil, Aboshian, Porrikian s'est occupée de la difficile et minutieuse paniation. Nous ou s'est occupé du côté et des illustrations. Le modèle peut être téléchargé gratuitement sur Naidi.com. Le nouvel initiaire du corridor de Berzol sera lancé la première semaine de septembre de cette année. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Administration territoriale et des infrastructures de la République d'Artsakh Haykhanoumian. D'ici là, l'autoroute Stepanaket-Berzol-Goriz fonctionnera. Un initiaire alternatif sera exploité dans le nouveau corridor sud. La circulation sur la nouvelle route commencera après le déploiement de tous les points de contrôle des forces russes de maintien de la paix. Entre-temps, une section temporaire de 4,5 km sera prête. La circulation et longue de la nouvelle route devrait être établis au cours de la première semaine de septembre, a déclaré M. Hanoumian, selon le chef de l'agence. La relocalisation des infrastructures est activement en cours. Le problème de la communication a déjà été résolu. Le déplacement de la ligne électrique prendra du temps. Et en ce qui concerne l'approvisionnement en gaz, comme je l'ai déjà dit, nous devons chercher d'autres solutions, a ajouté le ministre. L'Arménie occidentale suit les processus et ne manquera pas de exprimer sa position à cet égard. Le château de Vannes, l'un des plus beaux châteaux du royaume d'Alarat, sera bientôt illuminé, présenté aux visiteurs d'une manière encore plus magnifique. Le château a été fondé au 9 à 7 siècles avant Jésus-Christ. Le château de Vannes a été le témoin de nombreuses batailles au cours des siècles. Il convient de noter que des châteaux et des structures de défense similaires ont été construits sur le territoire du royaume d'Orartu, en particulier dans les zones volonnais et rocheuses. La forteresse mesure 1800 mètres de long, 120 mètres de haut et 80 mètres de large. Le 25 août, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé la nomination de Philippe Reikel, un diplomate exprimante au poste de conseiller principal pour les questions relatives au Caucase. Cette décision a été suivie d'une autre déclaration non étayée du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères affirmant que les tentatives de relance du groupe de Minsk, virtuellement désintégrés, pourraient entraîner le retrait des États-Unis du de processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a également déclaré que le conflit de Karabakh a été résolu, ajoutant que lié la résolution des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la question de haut karabakh ne contribuera en rien à la résolution de ces relations. Se référant à la déclaration azerbaïdjanaise, Vedat Pantel, le vice-président du Bureau des Affaires publiques internationales, a souligné que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait nommé Philippe Reker en tant que conseiller principal pour les négociations dans le Caucase afin de souligner notre engagement en faveur de la paix dans le Caucase du Sud. En tant que Pays, nous cherchons à promouvoir un dialogue direct avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie sur le plan bilatéral et multilatéral et un travail avec des partenaires partageant les mêmes idées afin de parvenir à un règlement de paix global entre les deux pays. L'exploitation forestière se poursuit depuis 38 jours dans le village de Lutschik, dans la région de Karlovka, à Burak, en Arménie occidentale, tournée sur quatre côtés par des forêts et des rivières. Burak est confronté au danger de la destruction de la nature. Les villageois affirment que les chaînes abattues dans la forêt d'environ 300 à 500 hectares seront utilisées comme charbon de bois. Les villageois de la région ont lancé un appel à la gouvernement de Burak et au département des forêts en recueillant des signatures, en expliquant les conséquences que peut avoir la déforestation ne satisfait de l'appel. Les villageois ont également déposé une plainte pénale auprès du bureau du procureur général de Karlov, notant que l'organisation chargée de l'évaluation des incidents sur l'environnement n'avait pas présenté le rapport requis sur la production de charbon de bois en Arménie occidentale, un autre qui a été enregistré qui est porté à l'attention de la communauté internationale. Nous ne chercherons pas à nous entendre avec les terroristes et seule notre victoire marquera la fin de la guerre, a déclaré le président Vladimir Zelensky dans ses félicitations à l'occasion du jour de l'indépendance de l'Ukraine. Le peuple arménien n'a pas non plus fui et a résisté héroïquement pendant 44 jours à l'agression russe turque Le soldat arménien a brisé la bataille de Bakou avec 20 à 25 000 pertes. En maintenant, beaucoup de circonstances ont été révélées qui la veille de 9 novembre, Bakou n'était plus capable de continuer l'attaque à grande échelle. C'est là que la différence commence. Tout d'abord, les dirigeants politiques ukrainiens n'ont pas fui malgré les offres d'évacuation. Les dirigeants politiques arméniens ont capitulé, signé un document imposé par les Russes et mis en œuvre les accords où tour Excluant toute discussion des questions arméniennes dans les structures juridiques internationales, une grande partie du champ politique arménien, l'opposition pro-russe, a exprimé sa loyauté envers ce journal et, avec ses énormes ressources de propagande, a soutenu les plans tour pour l'effondrement de l'État. Arménienne, avec pour mission l'absoudre les russes de toute responsabilité. L'Ukraine orbitait également des agents russes et une cinquième colonne, qui ont été rapidement neutralisés par un gouvernement qui a fait preuve de la volonté politique de résister à l'ennemi. Le message de Zelensky est un double massage au peuple arménien. Ne pas abandonner, ne pas pleurer, ne pas fuir, renaître en tant que nation et se battre pour ses droits, chacun à sa place, rejetant l'agenda russatour qui et ce qui leur manifeste leur loyauté. Il y aura ainsi des des alliés, des armes et d'autres formes de soutien. L'Arménie occidentale exprime son soutien au peuple russe-ukrainien touché par la guerre et sa solidarité avec le processus de paix. Le site d'information turc turk, a publié un article remarquable sur la culture arménienne, notamment sur la viticulture. Tout d'abord, d'un point de vue historique, elle fournit des informations sur la formation du peuple arménien il y a plus de 5 000 ans. Il est à noter que les sources écrites soumériennes mentionnent un ancien état appelé Arata dans la Bible. La source turque rénovée ensuite au magasin britannique The Telegraph qui évoque la viticulture arménienne. Les Arméniens sont la plus ancienne nation viticole du monde pour preuve de journal britannique notre que des traces de vinification remontant à 6 ans ont été trouvées dans le complexe de Grotte-Arénie-Anne. Le journal rappelle également que les Arméniens ont été la première nation à adopter le christianisme comme religion officielle. La source note également que l'ancien premier ministre britannique Vincent Churchill faisait partie de ceux qui ont goûté au cognac arménien. Il existe même une hypothèse selon laquelle les résultats de conférences de Yalta seraient en grande partie dû à l'influence du cognac et du vin arménien. Le Télégramme est à ce sujet Churchill, Staline et le président américain Franklin Roosevelt se sont rencontrés en Crimée pour discuter des moyens de développer l'Europe après la guerre. L'issue favorable de la conférence de Yalta a été obtenue grâce au cognac et au van arménien. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.